dire bonjour. Bonjour. Ici sur les terrains d'entraînement d'El Sadd. Oui. L'an dernier, vous m'aviez parlé d'éventuellement un retour en Europe. Qu'en est-il? Quel est le point sur votre carrière? Ouais, c'est vrai que je vous avais parlé de ce point-là parce que j'étais en fin de contrat. Bah là, mon club m'a refait signer 2 ans. Je suis très content d'être resté. Et voilà, après ces 2 ans, on étudiera peut-être un retour en Europe. Ouais. D'accord, ça reste une ambition de revenir dans les grands championnats, si je puis dire? Ouais, ça reste une ambition. Moi, je suis un travailleur, je suis quelqu'un d'ambitieux et ouais, j'aimerais bien retourner sur le vieux continent. D'accord. Cette année, donc 2014, une grande année avec la Coupe du Monde. Vous avez mis terme à votre carrière internationale. Pas de regrets? Quelles en sont les raisons? Non, c'est vrai, j'avais mis un terme à l'équipe nationale, mais voilà, j'ai eu une discussion avec les dirigeants et peut-être, voilà, si je travaille bien, peut-être je pourrais repartir en équipe nationale. Mais maintenant, pour le moment, je me concentre à Al Sadd, faire du bon travail et si c'est possible de revenir en équipe nationale, ben, on verra si je peux aider mon pays. Donc ça reste, c'est toujours une ambition de participer à la prochaine Coupe du Monde. Ouais, c'est une ambition, j'ai envie d'aider mon pays, il manque un peu d'expérience et voilà. Maintenant moi je suis là, je travaille avec mon club, je vais tout donner pour mon club et après on verra pour la Coupe du Monde si c'est possible d'y aller. D'accord. Est-ce que vous avez des contacts avec Ali Lotic, avec le coach? Non, j'ai pas eu de contact avec le coach. Je pense qu'il a beaucoup de travail sur ça. Et voilà, moi, j'avais annoncé mon retour dans les journaux. J'avais dit que j'étais prêt à revenir. Et après, ben voilà, maintenant, ils savent que je suis prêt à revenir. Et voilà, maintenant, moi, c'est à moi de faire mon travail sur le terrain et on verra par la suite. D'accord. En plus, Ali Lotic n'est pas sûr de rester. Vous avez vu ça? Ouais, j'ai vu un peu, mais je pense qu'il va rester parce qu'il a fait du super travail et il faut lui laisser la chance de continuer. Et ça, c'est un rêve pour tout le monde de faire la Coupe du Monde. Et voilà, il avait loupé la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire et voilà, il a ramené l'Algérie en Coupe du Monde. Je pense que c'est une grosse fierté pour lui et j'espère qu'il va bien coacher ce tournoi-là. D'accord, très bien. Dernière question. Tout le monde parle en ce moment du Ballon d'Or. Ouais. Quel est votre avis? Pour qui auriez-vous voté cette année? Personnellement, j'aurais voté pour Ribéry parce qu'il a fait une super année. Mais franchement, les trois joueurs, ils se valent. Ronaldo, il a des stats impressionnantes. Messi aussi. Mais pour moi, j'aurais voté Ribéry parce qu'il a fait une super année. Voilà, c'est un super joueur et voilà, je pense que s'il le prend pas cette année, ça va être un peu difficile parce que voilà, je pense qu'il a tout gagné, il a fait une année exceptionnelle et voilà, j'aurais voté pour lui parce que c'est un super joueur de toute façon. Vous le connaissez personnellement? Non, je le connais pas personnellement, mais voilà, ça m'aurait fait plaisir de le rencontrer parce que c'est un super joueur, ça se voit que c'est un mec vraiment cool, posé, il se prend pas la tête et voilà, je suis très content pour lui parce que voilà, ce qu'il fait, c'est exceptionnel et voilà, je suis content pour lui. Bah vous allez pouvoir le rencontrer demain parce qu'il joue dans le stade juste derrière vous, avec le Bayern. Ouais, l'année dernière déjà, j'étais allé le regarder, j'avais joué contre Schalke et voilà, ouais, demain s'il joue, je pense que je vais aller regarder et voilà, si je pourrais le rencontrer, ce serait vraiment sympa.